Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette consultation de groupe de la méthode Savoir Maigrir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette consultation diététique, donc en groupe. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Je vais me présenter rapidement pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Je vois que vous êtes au nombre de quatre. On a Abienne 2, on a Françoise, on a Gio et on a moi 26-26 ainsi que Richard qui vient de nous rejoindre. Donc bienvenue à tous et à toutes, aux anciens membres, aux nouveaux membres évidemment. Donc je suis Claire, diététicienne spécialisée dans la méthode Savoir Maigrir. Donc j'anime ces consultations de groupe absolument tous les jeudis à 13h donc, et les autres jours de la semaine, ce sont donc mes collègues, à savoir Lucie et Delphine, les consultations de groupe, ainsi qu'Isabelle. Isabelle, qui animera également une des prochaines consultations de groupe, il me semble, demain. Voilà. Donc, je vais simplement m'adresser aux nouveaux et nouvelles membres dans un premier temps, avant de répondre à toutes vos questions. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y répondrai en détail de manière chronologique. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dès maintenant via le chat diététique. Aux nouveaux et nouvelles membres, j'aimerais vous poser une petite question, à savoir si vous avez bien reçu l'email de bienvenue de Jean-Michel Cohen qui vous présente les trois clés de la réussite. Donc un petit message vocal de la part de votre coach qui vous présente donc ces trois clés de la réussite que vous recevez dès le début de votre programme. Pourriez-vous me dire dans le chat si vous l'avez bien reçu, si vous l'avez bien écouté, et puis éventuellement me faire un petit retour dessus. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour vos réponses et merci donc pour toutes vos questions que vous avez bien voulu me poser, que vous allez me poser. Donc je vais chercher vos petites questions dans notre historique. J'imagine que vous me voyez, que vous m'entendez bien, c'est du moins ce que j'espère. Alors, oh, c'est une question intéressante, ça puce, à laquelle je n'ai absolument jamais répondu, puisqu'il nous demande comment comptabiliser la truffe, la vraie. C'est une très bonne question, puce. Alors, je vous invite simplement à l'utiliser, bah, évidemment, on ne va pas en manger des kilos, hein, sans quoi ça serait très onéreux, mais vous pouvez tout à fait éventuellement râper un petit peu de truffe, manger de la truffe, aromatiser vos aliments avec de la truffe à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est une très bonne idée et vous la comptabiliserez en tant que légume, tout simplement, comme un champignon. Voilà, mais merci pour cette question, puis c'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion d'y répondre. Alors, Céline, bonjour, mon employeur vient de nous offrir un gros colis de Noël plein de chocolat et de cochonneries en tout genre. Mort de rire, comment faire? Eh bien, alors soit vous avez l'âme généreuse et vous faites profiter vos proches de ce fabuleux colis et vous pouvez bien sûr garder quelques petits chocolats pour vous, ou soit bien vous êtes plutôt raisonnable. Alors il y a deux solutions, soit vous partagez avec vos proches, soit vous le gardez pour vous, mais dans ce cas il faudra bien sûr être raisonnable. Sachez qu'on peut tout à fait s'autoriser un petit chocolat à la place d'un fruit. C'est tout à fait envisageable, une petite papillote à la place d'un fruit, c'est tout à fait possible. Voilà, j'ai peur de craquer et de tout manger, de tout gâcher surtout. Eh bien, pourquoi pas dans ce cas, donc en faire profiter vos proches pour la moitié du colis, par exemple, en faire profiter vos parents, vos petits voisins, ça fera toujours plaisir, les petits camarades de classe de vos enfants, si vous en avez, vos enfants éventuellement. Voilà, ou sinon, pourquoi pas vous faire comme un petit calendrier de l'Avent, donc on est le 6 du mois, mais pourquoi pas faire un petit calendrier de l'Avent qui va jusqu'à la fin du mois, donc un petit peu en décalé, et chaque jour vous autorisez une petite papillote, une petite friandise de cette sorte, mais à la place d'un fruit, hein. Alors je ne sais pas ce que contient exactement le colis, mais sachez que l'équivalent de 2 carrés de chocolat, c'est tout à fait possible à la place d'un fruit dans votre programme, donc une petite papillote, pourquoi pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, Céline, de cette petite idée. Alors, je prends vos petites questions. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? J'en vois pas beaucoup pour le moment. N'hésitez pas à me les poser. Hein. Je suis là pendant une petite heure pour y répondre. La Nini, je trouve les œufs durs écœurants. Est-ce que je peux les remplacer par des œufs au plat cuits sans matière grasse? Eh bien, c'est une très bonne idée, la Nini. Alors, les œufs, on vous propose 2 œufs dans votre plan de repas de manière régulière à la
du poisson, simplement parce que c'est une protéine de très bonne qualité qui contient les 9 acides gras, pardon, les 9 acides aminés essentiels, ces petites perles qui constituent les protéines, et donc les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne sait pas fabriquer. Donc c'est pourquoi il est intéressant de manger de temps à autre des œufs. Donc ça, c'est tout à fait envisageable aussi de remplacer les œufs durs qui sont proposés dans vos menus par des œufs mollets, par des œufs. Pourquoi pas, hein, puisque vous disposez de 30 grammes de pain le matin, mais que le midi, souvent, vous avez 100 grammes ou 150 grammes de féculents qu'on peut très bien convertir en pain, à savoir 40 grammes ou 60 grammes en fonction donc de votre niveau calorique. Donc, des petits œufs à la coque, c'est tout à fait envisageable, ou bien des œufs au plat, des œufs brouillés, c'est tout à fait envisageable aussi dans votre programme. Voilà, mais prenez toujours bien 2 œufs pour une portion de protéines, ça c'est vraiment important. Après, vous parlez de cuire sans matière grasse, c'est une bonne idée, mais notez bien que vous avez 5 grammes de matière grasse et le midi et le soir. Donc, vous pouvez tout à fait mettre un petit peu d'huile dans le fond de votre poêle. Ou sinon, la petite astuce dont je fais part tous les jeudis, c'est d'utiliser une crêpière. J'ai pensé à vous hier en rangeant la cuisine et en tombant sur mes 2 petites crêpières et je me suis dit, il faut encore que je leur en reparle ce jeudi. Simplement parce que le revêtement adhésif est plus épais pour anti-adhésif pardon, sur ce type de poêle. Donc vraiment n'hésitez pas à les utiliser si elles sont en bon état, si le revêtement bien sûr est en bon état, et ça vous permet effectivement de cuire, que ce soit vos viandes, vos poissons ou même vos œufs au plat, puisqu'on parle d'œufs au plat, Nini, sans trop ajouter de matière grasse, voire pas du tout ajouter de matière grasse. Alors, je cherche vos petites questions. Jackie ABC, peut-on utiliser l'huile des crudités que je ne mange pas pour faire cuire la viande? Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Vous pouvez utiliser ces 5 grammes d'huile pour la cuisson, en fait, puisque vous disposez de 5 grammes de matière grasse pour le midi et pour le soir. De la même manière, si vous voulez utiliser du beurre de temps en temps à la place de l'huile, c'est tout à fait envisageable. Utiliser des huiles de bonne qualité, telles que l'huile de colza, par exemple. Alors ça sera plus pour les assaisonnements. L'huile de colza, l'huile de noix, de noisette, l'huile d'amande aussi, l'huile d'avocat, pourquoi pas. Et pour les cuissons, l'huile d'olive, c'est aussi une huile de très bonne qualité. On a aussi l'huile Isio 4. Donc là, c'est une marque que je vous cite. Je ne devrais peut-être pas, mais en tout cas, c'est une huile de très bonne qualité, un mélange de 4 huiles, pour avoir tous les acides gras essentiels, les acides gras de bonne qualité, avec le bon prorata vis-à-vis de nos besoins en termes de lipides, d'oméga-3 et d'oméga-6. Alors, question d'Hugues. Claire, que penses-tu des purées et écrasées de la marque Créaline? Eh bien, Hugues, je vais vous faire une petite confession, c'est que je ne connais absolument pas ces purées. J'avoue que les purées, j'aime bien les faire maison, mais je ne doute pas qu'on en trouve de très bonnes, de bonne qualité dans le commerce également. Je regarde un petit peu ce que c'est. Alors, oui. Alors, il me faudrait la composition exacte si vous l'avez sous les yeux. J'ose espérer qu'il n'y a uniquement que des légumes, éventuellement un petit peu de féculents, pour que ce soit une purée de bonne qualité. N'hésitez pas du tout à me faire part de la composition exacte, de la liste des ingrédients, éventuellement du tableau des valeurs nutritionnelles. Mais c'est vrai que la liste des ingrédients, généralement, suffit pour se faire une idée de la qualité du produit. Éviter les aliments toujours de manière générale, éviter de choisir des produits dont la liste des ingrédients est à rallonge, évidemment. Il vous faut comprendre la grande majorité des ingrédients qui sont présents. Alors, si on vous propose une purée de brocoli ou de carottes et que vous avez majoritairement de la pomme de terre, de l'amidon de maïs ou de la fécule de pomme de terre et vous avez 13 carottes, vous douterez bien que ce n'est pas une purée de bonne qualité. Ceci dit, il y a effectivement, j'imagine, des très bons produits dans le commerce qui se rapprochent des purées maison, en tout cas par leur composition. Donc ça, c'est tout à fait possible de les intégrer dans votre programme. Attention toutefois à la composition. Si vous avez 50% de féculents et 50% de légumes, il faudra bien ajuster, bien entendu, la portion de féculents de votre repas en fonction de la consommation de ce produit, bien sûr. Hein, ça, c'est vraiment important.
Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On a la question de Nabuc. Bonjour à tous. Ce matin, quelle stupéfaction elle a pesé. 3,4 kg en moins au bout de 4 jours, 8 heures de sommeil et 1h10 de sport et en pleine forme, par contre, en diarrhée. Alors, un grand bravo, Nabuc, à la fois pour vos efforts, à la fois pour vos résultats sur la balance. C'est une très grande satisfaction pour vous, j'imagine, mais aussi pour toute l'équipe. Vraiment bravo à vous. Après, pour ce qui est du transit, bien sûr, il va falloir agir sur le contenu de vos assiettes. Peut-être manger des aliments plus riches en amidon pour réguler un petit peu tout ça. Donc, axez plutôt votre consommation de féculents, par exemple, sur du riz. Ça peut être une très bonne chose. Après, on a tout ce qui va être les légumineuses plutôt à éviter, telles que les lentilles, les pois cassés, les haricots blancs, les haricots rouges. Tendance à augmenter aussi le transit. Pour ce qui est des fruits, préférez-les bien plutôt en fruits entiers, ça c'est vraiment important aussi. Les compotes telles que les compotes pomme-banane, ça peut être une bonne chose. Privilégiez la banane éventuellement au niveau des fruits, mais prenez bien une demi-banane à la place d'un fruit. Ça c'est vraiment important aussi de bien gérer ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Eh bien, évitez les eaux trop riches en magnésium, évidemment. Si vous consommez de l'eau de ville, j'ai envie de dire, c'est très bien. Évitez les boissons trop fraîches, ça c'est important aussi. L'eau fraîche, l'eau glacée est plutôt à déconseiller, de même que les glaçons, bien évidemment. Je suis navrée pour cet assistant de téléphone que j'imagine que vous entendez. Je pense que je vais décrocher le téléphone. Pour pas qu'on soit importuné davantage. Je reviens de suite. Alors, veuillez m'excuser vraiment pour ce petit bruit très désagréable. Alors, par la suite, puce qui revient sur le caviar, et bien de la même manière que la truffe, donc c'est un produit effectivement très festif, que vous pouvez tout à fait intégrer dans votre programme. Ça, c'est tout à fait envisageable. Après, pour le caviar, c'est de la même manière que pour la truffe, hein, c'est quelque chose qu'on consomme de manière ponctuel et en petite quantité, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre programme sans pour autant que ça remplace quelque chose. Rappelons bien sûr que ce sont des œufs de poisson, donc vous pouvez très bien en consommer dans le cadre de votre programme. Ce sont des produits certes iodés, riches en sel, mais aussi riches en acides gras de bonne qualité et également en lipides, en graisses de bonne qualité, mais également en protéines. Vous pouvez très bien l'intégrer dans votre programme sans pour autant diminuer la quantité de viande ou de poisson ou d'œufs dans votre repas. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Ah, on a Sabine qui nous dit « Super, ma fabrique à menu, bravo les diététiciennes ». Eh bien, je ne manquerai pas de faire passer le mot à Isabelle et Lucie qui ont travaillé dur sur ce projet et qui seront absolument ravies de lire vos retours positifs quant à ce gros projet en effet. Donc, je ne manquerai pas de les féliciter pour vous, Sabine. Merci d'avance. Alors, Rose-Antoinette, bonjour. Quand je prends un œuf à la coque, je prends des asperges miniatures à la place des mouillettes beurrées. Quelle belle idée, Rose-Antoinette. Et merci pour cette petite astuce. C'est une très bonne idée. Je n'y avais jamais pensé. Alors, on a aussi peut-être les bâtonnets de crudité, mais les asperges, ça peut être une très bonne chose. J'essaierai auprès de mes filles qui adorent évidemment les œufs à la coque, comme beaucoup d'enfants, j'imagine. Et je n'y avais jamais pensé à leur proposer de cette manière. Donc, merci du partage de cette petite astuce. Rainbow Lanini 97, pourquoi pas essayer des omelettes tomates épinards avec fromage autorisé de la journée? Alors oui, fromage autorisé de la journée, en effet, pourvu que Lanini soit bien à au moins 1400 calories, hein, puisque je le rappelle, sur le programme à 1200 calories, on n'a pas de fromage de prévu dans le repas. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait faire une omelette à la place des œufs durs. On n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé des œufs mollets, des œufs durs, donc des œufs brouillés et des œufs au plat. Mais en effet, sous forme d'omelette, c'est une très belle idée avec une belle salade verte. C'est une très belle chose de proposer ceci. Très bonne idée.
Alors, Nabu, je n'arrive pas à supprimer les deux petits carrés de chocolat noir lait noisette le soir. Alors, il me semble que vous êtes une de mes membres, Nadvuk, puisqu'il me semble avoir répondu à votre question juste avant cette consultation diététique, cette consultation de groupe. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisqu'en effet, le chocolat, comme je vous l'annonçais dans le message que je vous ai certainement rédigé, est tout à fait autorisé dans le cadre de la méthode Savoir Maigrir. Notez bien que vous pouvez très bien prendre deux carrés de chocolat à la place d'un fruit. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une équivalence qui se fait. Voilà, donc restez bien par contre sur deux carrés par jour. Et attention, le chocolat vient donc à la place d'un fruit et non pas à la place du pain. Donc consommez bien vos 15 grammes de pain le soir. Vous êtes à 1400 calories et 30 grammes de pain le soir si vous êtes à 1600 calories. Alors, je ne comprends pas bien la question d'érable. Bonjour Claire, pour compenser les excès faits la semaine dernière, j'ai après en avoir avisé Isabelle. Je suis navrée, je ne comprends pas bien votre question, mais on pourra y revenir un petit peu plus tard si vous voulez bien la reformuler, ce serait parfait. Sabine, comment comptabiliser des boulettes végétariennes d'IKEA, boulettes de légumes, merci. Alors, je n'ai pas le grammage exact, mais j'imagine que, alors, elles sont de bonne composition. Vous pouvez très bien prendre 5 boulettes de viande à la place de votre portion de protéines, à la place de votre viande, votre poisson ou vos œufs de votre repas. Ça, c'est tout à fait envisageable. Question de Letty B. Je suis en semaine 3 et niveau digestion, c'est un peu compliqué. Diarrhée récurrente, du coup, j'ai du mal à suivre le programme depuis une semaine. Est-ce normal? Alors, je vous ai parlé de tout un tas de petites astuces tout à l'heure pour réguler votre transit. Je ne vous ai pas parlé des crudités encore. Donc, les crudités, que ce soit en légumes ou en fruits, puisque un fruit cru reste une crudité, c'est un végétal cru, évidemment. Évitez-les. Essayez de bien cuire et vos légumes et vos fruits. Ça, c'est vraiment important. Après, moi, je vous donnais l'astuce de la banane, évidemment, du riz. Vous pouvez boire aussi l'eau de cuisson du riz. Alors, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de meilleur, bien sûr, mais ça reste très efficace. Voilà, après, pour ce qui est du pain, peut-être passer sur du pain classique plutôt que du pain complet pour éviter le trop d'apport en fibres. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Donc, ces légumineuses dont je parlais tout à l'heure, si vous en avez dans vos plans de repas et si ça vous va, vous pouvez bien sûr les consommer. Je vous invite simplement à ajouter du bicarbonate dans l'eau de cuisson des lentilles, des pois cassés, des haricots blancs, haricots rouges et peut-être les mixer pour que ce soit plus digeste et donc que ça crée moins de désordre au niveau intestinal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits conseils concernant le transit. N'hésitez pas aussi à partager vos petites astuces entre vous. Question de Nanbu, toujours. Dimanche soir, je suis invitée chez mes enfants et je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne sais pas comment équilibrer ce repas futur. Pouvez-vous me donner la base? Alors, ce que vous pouvez faire avant de partir, déjà, c'est faire une petite collation en prenant des petites crudités, un œuf pour bien vous caler, puisque l'œuf est très riche en protéines et les protéines sont les nutriments les plus rassasiants et les plus satiétants qui puissent y avoir. Donc, un œuf, quelques légumes. Pourquoi pas décaler un fruit de votre journée, le fruit du matin par exemple, pour le prendre juste avant de partir, ou bien votre laitage, ça peut être aussi une bonne idée pour éviter de vous jeter sur ces petits gâteaux apéritifs, ces petits biscuits à l'apéritif. Quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir, Nadbuk. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre quand on est invité, que ce soit chez ses enfants, chez d'autres membres de sa famille ou bien chez des proches, hein, chez des amis, etc. Ou même au restaurant. Prenez plaisir au repas qui vous est proposé. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Après, il existe bien sûr des repas de rattrapage qui sont légers, donc à base de légumes, de protéines de bonne qualité, maigres donc, et de laitage 0%. Ça, ce sera possible de le faire ensuite. Vous pourrez consulter la fiche pratique qui s'appelle Le rattrapage des écarts, exactement. Comment rattraper un écart? Voilà, donc vous pourrez tout à fait consulter cette fiche pratique pour opter pour la formule qui vous convient le mieux en fonction du repas qui vous a été proposé. Après, pourquoi pas, vu que ce sont vos enfants, vous pouvez peut-être
proposer, pardon, je cherchais mon mot, proposer de participer au repas, proposant d'apporter bah, soit l'entrée, soit le dessert. Ça peut être agréable aussi pour les membres qui vous reçoivent de voir que vous prenez aussi plaisir en cuisine pour préparer ce repas convivial et familial. Après, donc, vous pouvez très bien prendre donc, deux blancs d'œufs avant de partir, ça peut être une bonne chose. Et lorsque vous êtes à table, mangez lentement, n'hésitez pas à boire des petites gorgées de manière régulière. Autorisez-vous éventuellement un verre de vin, ça c'est tout à fait possible, ça remplacera simplement un fruit dans votre journée. Donc mangez lentement, prenez le temps de bien mastiquer, prenez le temps de boire de manière régulière, boire un petit peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire, parce que d'une part, ça va bien remplir votre estomac, une fois rempli, va envoyer le message à votre cerveau selon lequel il est suffisamment rempli, et votre cerveau va interpréter ça comme si vous aviez suffisamment mangé, et va donc déclencher le signal de rassasiement de votre repas, hein, le fait de ne plus avoir faim. Donc ensuite, le fait de boire, ça permet aussi d'éviter de trop manger ces petites cacahuètes, ces petites chips, ces petits toasts qui peuvent être proposés. Voilà, ne dépassez pas un apéritif et buvez-le lentement en discutant avec vos enfants pour à la fois de cette soirée, d'ailleurs de ce déjeuner, je ne sais plus bien. Mais voilà, profitez bien de ce moment, ça c'est vraiment important. Et après, ayez toujours à table un verre d'eau devant vous, pour éviter de trop consommer d'aliments et surtout éviter de vous resservir. Hein, ça, c'est vraiment important de garder la notion de plaisir, mais à la fois rester raisonnable sur les quantités. Donc, profitez de l'assiette qui vous est proposée, essayez de ne pas vous resservir, ça peut être une bonne chose. Écartez la panière de vous, hein, proposez-la à l'autre bout de la table, discrètement, sans forcément argumenter, mais ça peut être aussi une aide pour vous, pour éviter d'être tenté par le pain qu'on consomme généralement en trop grande quantité. Voilà, et évitez bien sûr de saucer les plats si sauce il y a. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des petits conseils que je pouvais vous donner. J'espère que ça vous aidera, la Duc. Et n'hésitez pas donc à revenir vers votre diététicienne une fois ce repas passé pour lui faire part de ce que vous avez consommé et prendre ses conseils vis-à-vis du repas éventuel de rattrapage. Alors, Sadwit, bonjour à tous. Claire, est-ce que je peux, dans l'eau que je bois, mettre un demi-citron ou n'est-ce pas bon pour le corps? Eh bien, c'est une très bonne question, Sadwit, puisque ça va me permettre de vous donner des conseils au sens large vis-à-vis du citron et des agrumes en général. Donc, effectivement, bien sûr, vous pouvez ajouter un demi-citron dans votre eau, que ce soit de l'eau plate, ou de l'eau pétillante, ça c'est une très bonne idée. En revanche, si vous y mettez la peau, si vous mettez une rondelle de citron, pensez à bien choisir un citron non traité. Alors sans parler de citron bio, mais on peut choisir donc un citron non traité. De la même manière pour les oranges, quand on presse une orange ou quand on met des rondelles d'orange pour faire diverses boissons festives, pensez bien à prendre des agrumes non traités, puisque les agrumes ont la peau évidemment épaisse et emmagasinent tout un tas évidemment de pesticides qu'on veut bien leur mettre sur le dos. Donc vraiment, utilisez toujours des citrons, des oranges non traitées quand il s'agit de mettre à infuser l'agrume dans sa globalité ou en tout cas en rondelle avec la peau. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez déjà vos citrons à la maison, n'hésitez pas à utiliser une petite brosse, à passer l'agrume sous l'eau fraîche, bien évidemment, mais vous le savez que ces agrumes n'ont pas une peau tout à fait lisse et les pesticides résident surtout dans les irrégularités de la peau, dans ces petits creux. Donc, n'hésitez pas à prendre une brosse de votre côté, une brosse qui est spécifiquement, évidemment, dédiée à ce type d'usage. Brossez vos agrumes pour ôter le maximum de pesticides, ça peut être une bonne chose. Voilà, sans forcément opter pour l'alimentation bio à toute épreuve, mais en tout cas quand même faire attention à ces ajouts de pesticides dans notre alimentation, ça peut être une bonne chose sur le long terme. Alors, Odeline, question 5 grammes. Un demi carreau de chocolat noir, 70%, on enlève un fruit ou pas? Alors, l'équivalence pour votre chocolat, c'est 2 carrés de chocolat égale un fruit.
Donc là, évidemment, si vous prenez 5 grammes, donc un carré de chocolat, c'est 10 grammes exactement. Donc si vous prenez 5 grammes, ça vous fait enlever qu'un quart de fruit. Donc bien évidemment, vous pouvez consommer votre fruit. Alors, essayez dans ce cas de ne pas en consommer tous les jours, ou bien prenez carrément les 2 carrés de chocolat noir à la place d'un fruit, hein, pour éviter toute petite confusion. Alors, ah Céline, vous me faites plaisir, c'est le premier retour que j'ai sur mes poêles à crêpes. J'ai donc Céline qui nous dit, j'ai utilisé la crêpière pour une omelette et c'est top, merci. Eh bien, je vous avoue que moi, je l'ai encore utilisée ce matin pour faire cuire mon poisson de ce midi et je suis ravie que ça vous convienne. C'est vrai que le revêtement de la crêpière est bien plus épais que pour une poêle classique. Il suffit simplement le matin, pardon. Quand on pose notre aliment dessus, que ce soit du poisson, alors les œufs c'est un peu plus compliqué évidemment, mais le poisson et la viande, simplement de bouger avec une spatule votre aliment, aussitôt que vous l'avez posé dans la crêpière bien chaude pour pas que ça adhère du tout, ça nous permet de faire des belles cuissons sans aucune matière grasse. Je suis ravie pour vous, Céline. Alors, Scopello, je suis plutôt petit déj salé, un œuf à la coque avec pain, beurre et yaourt. Est-ce que c'est bon? Eh bien, oui. Alors, attention, par contre, puisque le beurre va venir en remplacement, pardon, l'œuf va venir en remplacement du beurre. Donc, vous pouvez tout à fait prendre un œuf pour le matin, ça c'est tout à fait envisageable. 30 grammes de pain complet. Prendre pourquoi pas 30 grammes de fromage à tartiner à léger, ça c'est tout à fait envisageable, et un fruit. Alors, donc pour en revenir à ce que vous avez l'habitude de faire, prenez bien votre fruit, pardon, votre œuf le matin, l'œuf à la coque avec 30 grammes de pain complet. Supprimez en revanche le beurre. Et après, soit vous prenez donc votre laitage 0%, soit vous prenez deux portions de fromage à tartiner allégé, ou bien 25 grammes, 30 grammes pardon, de cancoyote, par exemple, pour remplacer le laitage. N'oubliez pas, en revanche, le fruit, ça c'est vraiment important. Ou bien 100 grammes de compote, par exemple, à la place du fruit. Voilà. Alors, Odeline, pour la quiche Lorraine, recette Dr Cohen, combien peut-on t'en prendre? Eh bien, cette recette est pour 4 personnes, il me semble. Je vais regarder si elle est bien pour 4, mais c'est bien ce qu'il me semble en tout cas. Quiche Lorraine, alors si elle est pour 4, bien évidemment, il vous faudra la diviser en 4 parts, bien sûr. Alors, j'arrive sur la recette. Oui, elle est pour 4 personnes, donc vous en prendrez un quart à la place d'une demi-viande, de 40 grammes de pain, donc des 100 grammes de féculents au final, d'un demi-fromage, d'un demi-laitage et de 10 grammes de matière grasse, tout simplement. Voilà. Alors, je charge vos petites questions. Question de Val-Joanne. Bonjour Claire, j'ai opté pour le programme à 1200 calories avec dîner léger, mais je préfère le déjeuner léger, puis-je échanger le repas du midi avec la collation le soir? Alors oui, c'est tout à fait envisageable. L'idée, Laurence, c'est de garder cette structure à 1200 calories. Donc du moment que vous gardez cette structure, vous pouvez très bien intervertir la collation avec le déjeuner, ça ne pose aucun souci. Ceci dit, notez que nous avons aussi des plans de repas avec déjeuner léger. Donc, si vous le souhaitez dans vos paramètres personnels de votre compte, vous pouvez très bien modifier vos menus, enlever le menu donc dîner léger, mais opter pour du déjeuner léger, ça c'est tout à fait possible. Hein, sans déjeuner, il s'appelle sans déjeuner ou déjeuner léger. Après, si vous n'y arrivez pas de votre côté, n'hésitez pas à en faire part à votre diététicienne qui pourra en un clic modifier ceci. Alors, question des bords cette fois-ci. Samedi midi, en fait, l'anniversaire de mon petit-fils. J'envisage de compenser les excès de ce repas par un menu de rattrapage le soir. Eh bien, c'est une très bonne idée, les bords. Appliquez bien les conseils que j'ai donnés tout à l'heure à l'une des membres qui était invitée par ses enfants. Voilà, donc à savoir de peut-être faire une petite collation avant de partir avec un œuf, deux jaunes, pardon, deux blancs d'œufs par exemple, quelques petites crudités, pourquoi pas, laitage 0%. Et puis à table, donc essayez de suivre ces petites astuces, de laisser loin de vous la panière, pourquoi pas proposer la panière à pain évidemment, la corbeille à pain, pardon.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pourquoi pas proposer à votre fils ou votre fille de participer à la fête en faisant aussi une petite recette Savoir Maigrir qui passera absolument inaperçue aux yeux des autres convives. J'entends par là que la grande majorité des recettes Savoir Maigrir sont si gourmandes qu'elles ne paraissent absolument pas allégées. Donc vraiment, n'hésitez pas à les faire, à en tester quelques-unes et puis donc à proposer à votre fils de participer un petit peu à la fête comme ceci. Mais quoi qu'il en soit, il est mort, c'est une très bonne idée de rattraper les éventuels petits excès au repas suivant, donc le soir dans votre cas, en effet. Voilà. Alors, il est mort, je suis en semaine 9 et je trouve que je stagne un peu, 7,4 kilos de perdu. Eh bien, bravo surtout, surtout un grand bravo pour vos efforts, pour vos très bons résultats, puisque c'est vrai que presque 7,5 kg de perdu en 8 semaines, hein, puisque vous êtes en semaine 9, donc c'est-à-dire que vous avez commencé il y a 8 semaines, 8 semaines presque et demie, on va dire, un petit peu plus même. Donc vraiment bravo puisque vous êtes dans la moyenne haute des pertes de poids généralement constatées. On constate en effet généralement entre 500 grammes et 1 kilo envolé par semaine. Donc vraiment bravo pour vos efforts, pour ces très beaux résultats. Après, la période de stagnation est tout à fait normale dans votre cas puisque votre corps a bien travaillé jusque-là pour déstocker ses presque 7,5 kilos. Donc laissez-lui un petit peu de répit, poursuivez dans vos efforts de votre côté, continuez à bien suivre votre programme avec rigueur, ça c'est vraiment important. Rattrapez vos éventuels écarts comme ceux de ce week-end que vous allez peut-être faire et n'hésitez pas aussi à booster votre activité physique pour évidemment dépenser plus d'énergie que ce que vous en consommez. Voilà. Mais pour le moment, si ça n'a fait qu'une seule semaine que vous constatez une stagnation pondérale, surtout pas d'alerte importante concernant le comportement alimentaire à adopter. Restez bien sur votre niveau calorique habituel. Ne sautez pas de pas. Ne soyez pas tenté par le jeûne pour le moment. C'est quelque chose qu'on propose uniquement en cas de stagnation pondérale sur au moins 15 jours, au moins 2 semaines. Donc, vraiment important de bien suivre votre programme et garder votre motivation car vraiment, vous avez un très, très beau parcours jusque-là. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'il sera tout aussi beau par la suite. Alors, petite question de puce. Si je fais un jeûne de 23 heures jusqu'au lendemain, à 19h, est-ce bien, mais en s'hydratant? Si je fais un jeûne de 23h jusqu'au lendemain à 19h, alors ça, c'est pas possible. Par contre, vous ne pouvez pas arrêter de manger pendant tout ce temps. Ça nous fait 20 heures de jeûne. Le jeûne Cohen, à part évidemment en cas de jeûne religieux, là, dans ce cas, on a évidemment un procédé différent. Mais si vous parlez du jeûne Cohen, attention, il ne se fait pas. Non pas sur 20 heures, mais sur 16 heures. Donc, veillez à sauter uniquement un repas, que ce soit le dîner, pardon, ou le petit déjeuner. Voilà. Mais attention, en effet, à bien s'hydrater, mais aussi à se nourrir suffisamment. Ça, c'est vraiment important. Alors, question de maison. Je vais chez des amis pour 3 jours. Je ne sais pas comment je vais pouvoir. J'avais-vous des indications? Merci. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais vous pouvez tout à fait opter pour la formule du 50-50. C'est ce qu'on conseille généralement dans ce type de situation ou quand on est en vacances. Alors, en week-end prolongé, évidemment, ou bien en vacances, on va opter pour la formule 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a un repas où vous allez vous faire plaisir sans trop réfléchir à ce que vous allez manger, tout en restant évidemment raisonnable. Il ne s'agit pas de manger et la charcuterie et du fromage et un plat en sauce et une pâtisserie et des choses panées, par exemple, plus des petits chocolats qu'on voudra bien vous distribuer. Bien sûr, restez sur un repas, j'ai envie de dire, normal, sans trop vous poser de questions. Et à l'autre repas, vous restez sur un repas, en revanche, plus léger, axé essentiellement sur les protéines, sur les légumes, puisque j'imagine que vos amis vous serviront au repas soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs, soit des fruits de mer. Donc ça, c'est parfait. Et que vous accompagnerez pour le repas léger, évidemment, de légumes, pour un repas bien plus léger que le précédent ou le suivant. L'idée, voilà, c'est de faire un repas sur deux léger et un repas sur deux repas plaisir.
Et après, bien sûr, vous pourrez faire un petit rattrapage des écarts à votre retour si vous jugez que ceci est nécessaire. Attention toutefois à ne pas commettre l'erreur, de monter sur la balance dès votre retour. Accordez-vous une petite semaine avant de remonter sur la balance pour éviter de prendre peur, ce qui serait tout à fait inutile, ce qui pourrait vous décourager inutilement d'ailleurs. Essayez de profiter évidemment de ce week-end entre amis, avec vos proches, durant 3 jours. Et par la suite, vous ferez un éventuel petit rattrapage des écarts si besoin. Mais surtout, ne montez pas sur la balance. Attendez le samedi qui suit pour vous poser à nouveau. Alors, Minarine, bonjour Claire, je ne trouve pas de yaourt aux fruits 0% en dessous de 50 calories. Auriez-vous une marque à me proposer? Eh bien, écoutez, c'est absolument parfait puisque vous pouvez très bien opter pour des yaourts aux fruits 0% pourvu qu'ils ne dépassent pas 55 calories par pot. Hein, donc, vous pouvez tout à fait opter pour ces yaourts que vous avez trouvés. C'est une très très bonne idée et donc vous prendrez donc des yaourts à la place. Dans l'étage 0%. Alors, question de Rose qui nous parle du tofu soyeux. Vous pouvez en effet tout à fait prendre du tofu soyeux, 120 g de tofu soyeux à la place de votre viande, de votre poisson, de vos œufs ou bien des fruits de mer proposés dans vos repas. Alors, Maigrir 66, vous venez de me répondre à mon message. Et oui, ça me parle bien votre message, mais je ne comprends pas. Je vous disais être à ma 14e semaine et vous demandez si je peux continuer mes menus à 1400 calories à vie ou s'il y a un danger. Alors, ça dépend évidemment de votre profil maigrir, mais quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on se repenche un petit peu sur votre profil. Quoi qu'il en soit, donc vous étiez à 1400 calories. En fait, je ne comprends pas si vous étiez à 1200 calories et maintenant vous souhaitez passer à 1400 calories ou si vous êtes à 1400 calories actuellement en tant que programme de perte de poids et que vous souhaitez y rester. Quoi qu'il en soit, il vous faudra faire une phase de stabilisation à 1400 et 1600 calories. Ça, c'est vraiment important pour stabiliser votre poids sur le long terme, tout simplement pour revenir à vos besoins de base. Ça, c'est vraiment important de faire évoluer votre niveau calorique. Pardon, je mets mes lunettes, ça me fait mal aux yeux. De faire évoluer votre niveau calorique pour stabiliser votre poids. Donc, comme je vous le disais, ça dépend vraiment de votre profil. Il n'y a pas de risque en soi de poursuivre votre programme Savoir Maigrir, mais pourvu que ce soit bien ajusté sur le bon niveau calorique à partir du moment où vous avez atteint votre objectif de perte de poids, tout simplement. Alors, et tout simplement pour vous argumenter ceci, c'est simplement que c'est une méthode tout à fait équilibrée dans laquelle on n'écarte aucun aliment, aucune catégorie alimentaire. Donc, en effet, vous pourrez tout à fait suivre le programme Savoir Maigrir à vie, mais sur le bon niveau calorique pour stabiliser votre poids sur le long terme. Alors, on a le retour de Sofkla. Eh bien, bienvenue Sofkla, on est ravis de vous retrouver à nouveau. En effet, vous nous aviez manqué durant cette petite semaine. Gribouille, bonjour, je commence lundi, j'espère perdre quelques kilos. N'en doute pas, n'hésitez pas à contacter votre diététicienne pour faire part un petit peu de la situation, d'éventuellement vos petites questions que vous pouvez avoir. De votre côté, pensez à bien suivre la structure alimentaire qui vous a été envoyée pour cette semaine. Je vois que vous êtes en semaine zéro. Vous avez reçu votre structure alimentaire, donc vraiment, suivez-la bien. J'ai envie de dire à la lettre, puisque c'est que la structure que vous avez, donc vous n'aurez pas de modification d'aliments à faire. Donc, basez-vous bien sur ce schéma alimentaire. Vous pouvez intervertir les repas du midi et du soir d'une même journée, si vous préférez. Vous pouvez décaler les féculents du midi au repas du soir, de même pour...
pour éventuellement le pain et le fromage que vous avez à 1400 calories le soir. Vous pouvez très bien les mettre le midi. Bref, vous pouvez très bien intervertir les aliments, mais dans une même journée. Ça, c'est vraiment important. Donc, suivez bien votre structure alimentaire et je suis convaincue que vos efforts porteront leurs fruits et que vous nous annoncerez la semaine prochaine une belle nouvelle. Quoi qu'il en soit, écartez la balance de vous, j'ai envie de dire, pesez-vous une fois par semaine seulement. Ça, c'est vraiment important pour garder votre motivation. Sauf si, bien sûr, vous avez besoin de cette motivation supplémentaire dans un premier temps, ou comme Jean-Michel Cohen vous le conseille dans un premier temps, de monter sur la balance tous les jours. Voilà, à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, passez la première ou la deuxième semaine, montez sur la balance une seule fois par semaine. Netbook. Et deux ou trois coupes de champagne à la place de quoi? C'est mon péché mignon. Alors, je vous parlais tout à l'heure effectivement du vin, mais pour le champagne, ça va être la même équivalence. C'est une coupe de champagne à la place d'un fruit. Donc, deux coupes, c'est éventuellement possible. Trois coupes, ça commence à faire beaucoup. Sauf si, bien sûr, vous êtes à 1400 calories et plus, auquel cas, il vous faudra supprimer absolument tous les fruits de la journée, tous les autres fruits de la journée. Et quoi qu'il en soit, Nadbuk, j'imagine que vos enfants vont prévoir un dessert, et souvent le dessert, bien sûr, est à consommer en équivalence au moins des fruits, au moins du fruit. Donc attention au nombre de coupes de champagne. Je vous conseille de plutôt rester sur une ou deux coupes et vraiment la savourer avec des petites gorgées, en la buvant un petit peu plus doucement, plus lentement que d'habitude, pour apprécier le caractère ponctuel, le caractère festif de cette boisson. Voilà. Alors, puce, j'ai fait du confit de canard pour Noël, mais vous avez déjà préparé votre repas à ce que je vois. Je vois que vous êtes vraiment organisé. Des pommes de terre salardaises et une bûche glacée que retirer. Alors, qu'est-ce que vous allez retirer? Alors, les pommes de terre salardaises, vous pouvez les faire cuire. Peut-être au four pour que vous ayez besoin de moins de graisse de canard pour les faire cuire. Donc simplement ajouter un petit peu de graisse de canard avant d'enfourner, mettre de la belle fleur de sel, un petit peu de vrai grain de poivre au moulin, ça peut être une bonne chose. Et après, bien sûr, vous n'allez rien retirer d'autre, si ce n'est que vous allez ajouter des légumes. Il nous manque absolument des légumes plus dans votre repas. Donc vraiment, pensez à bien ajouter soit des fagots de haricots verts, par exemple. Ça peut être une bonne chose avec le confit de canard. Ça peut très bien s'accompagner des petites tomates au four, pourquoi pas, quoique c'est plus franchement la saison. Ou bien des petites des aubergines, des courgettes au four, ça peut être une bonne chose. Mais je pense que là, ce qui s'accommodera le mieux, ce sera des petits fagots d'haricots verts. Bien sûr, sans le lard autour, puisque ça ne conviendra pas avec la viande que vous allez proposer. Hein. Donc, le lard de porc avec du canard, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais en revanche, les petits fagots d'haricots verts liés uniquement par un petit brin de ciboulette, ça peut être une très bonne chose. Voilà. Soyez raisonnable quant à la quantité et de canard, puisque n'oublions pas, il est confit donc dans la graisse. Les pommes de terre également, qui seront donc cuites avec un petit peu de graisse, ayez la main légère. Et pour la bûche glacée, en effet, sachez bien apprécier pour éviter de prendre une trop grosse part. Prenez une part correcte, une part normale, j'ai envie de dire, hein. Une part que vous serviriez à vos convives, sans pour autant tomber dans l'excès de vous resservir. Profitez vraiment de chacun des éléments de votre repas qui sont de bonne qualité, en effet, si ce n'est qu'il faudra ajouter effectivement des légumes. Ça, c'est vraiment important. Alors, Laurent, je pensais que l'on pouvait déplacer des aliments à un autre moment de la journée. Tout à fait, on vient d'en parler, Laurent, vous pouvez très bien déplacer, que ce soit le laitage, le fruit, les féculents, le fromage, le pain, du moment que c'est sur la même journée. Ça, c'est vraiment important. Si on ne consomme pas son fromage le soir, on n'en consomme pas double dose le lendemain. Mais par contre, si on n'a pas pris un des éléments en précédent repas, on peut très bien consommer plus tard dans la même journée. Mais hier, une diététicienne du bien-être m'a dit que c'était peut-être à cause de cela que je ne perdais lentement du poids. Eh bien non, Laurent, j'en suis formelle. Vous pouvez tout à fait déplacer les aliments d'un repas sur un autre repas et même pourquoi pas en faire une collation. Hein, si vous gardez votre fruit, votre laitage d'un repas, vous pouvez très bien consommer en collation. Puisque l'idée, Laurence, pour être claire avec vous, c'est que bien sûr, si vous ne consommez pas certains aliments, mais que vous les mangez plus tard dans la journée, vous restez bien évidemment sur le même niveau calorique.
Donc, ça ne pose aucun souci, Laurence. Continue à faire comme ceci. C'est absolument parfait. Donc, exemple avec le fruit à manger d'après elle, de préférence le midi plutôt que le soir. Eh bien non, vous pouvez le consommer le soir. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Du moment, bien sûr, que vous supprimez bien un fruit dans la journée, vous pouvez rajouter un fruit le soir. Qu'en pensez-vous? Bien, voici ce que j'en pense. Voilà, donc j'imagine que vous êtes à 1200 calories de votre côté du fait de ce que vous me dites. Vous pouvez en effet garder le fruit du midi pour le consommer le soir et manger en plus, bien sûr, votre laitage qui est prévu. Alors, la Nini, je ne bois pas d'eau plate, mais que de l'eau pétillante. Est-ce que cela peut ralentir ma perte de poids? Eh bien non, absolument pas. Hein. Ce n'est pas parce que il y a des bulles qu'on va. Alors peut-être on se sentira un petit peu plus ballonné ou quelque chose comme ça, c'est possible, quoique on dit souvent que l'eau pétillante fait digérer. Mais ça n'aura aucune incidence sur votre perte de poids éventuelle. Ça ne pose aucun souci, puisque rappelons-le, l'eau, qu'elle soit plate ou pétillante, ne contient pas de calories, bien évidemment. Voilà. Alors, j'ai râleuse qui me dit on n'a plus de son. Eh bien, écoutez. C'était peut-être tout à l'heure quand j'ai été décrocher le téléphone simplement. Donc là, ça devrait fonctionner de nouveau. Ne vous en faites pas. Alors, sur YouTube, je n'avais plus de son. Je suis retournée sur les messageries et là, ça marche. Eh bien, c'est absolument parfait dans ce cas. Sacquise, Claire, est-ce que le fromage est considéré comme laitage ou matière grasse? Attention, attention, vous avez donc. Des laitages dans votre plan de repas. Donc, j'imagine que vous êtes au moins à 1400 calories si vous me parlez de fromage. Vous avez donc à 1400 calories deux laitages plus une portion de fromage. Bien souvent, quand on commente les menus, les carnets minceurs, on peut faire la notation selon laquelle il vous manque un laitage dans votre repas. Et vous nous répondez donc que vous avez votre fromage. Mais attention, dans les menus Savoir Maigrir, ce n'est pas du tout considéré comme tel. Et d'ailleurs, d'un point de vue nutritionnel, le fromage n'est pas considéré comme un laitage, mais vraiment à part entière, puisque le fromage est effectivement composé de lait, évidemment, mais c'est surtout un concentré de matière grasse. Donc attention à bien consommer et vos laitages, vos deux laitages par jour, et votre fromage. Et rappelons-le, dans les menus à 1200, il n'y a pas de fromage de prévu. Ceci dit, vous pouvez très bien opter pour des fromages, pardon, allégés ou de la concoyotte, par exemple, en équivalence au laitage. Donc. Voilà. Merci. Au fait, j'adore votre écharpe. Eh bien, merci. Moi, je l'aime d'autant plus que c'est une amie qui me l'a offert, une amie très proche. Alors, sauf que là, je reviens de chez ma mère où les 10 jours passent et on était bien. Où les 10 jours passent et on était bien trop riche, bien trop déséquilibré, bien trop difficile pour mon programme. Eh bien, sauf que là, dans ce cas, reprenez votre programme avec rigueur. Ça ne sert à rien de descendre en termes de niveau calorique. Il vous faut simplement bien reprendre votre programme. Alors, classique, j'ai envie de dire, à 1200, 1400 ou 1600 calories, selon le programme qui vous a été affecté par votre diététicienne. Reprenez tout simplement votre structure alimentaire de base. Sans pour autant vous restreindre sur ni les féculents, ni sur le fromage, ni sur le pain. Reprenez bien votre structure alimentaire classique pour reprendre le fil de votre programme. Boostez peut-être un petit peu l'activité physique. Alors, il me semble qu'il fait un petit peu beau partout en France actuellement, à moins que je me trompe. Mais n'hésitez pas à profiter des soirées, du week-end pour aller organiser des belles balades. Parfois, une petite demi-heure suffit pour prendre le grand air et pour booster donc votre activité physique. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, je vais essayer de parler plus fort, sans aucun souci. Niu-Niu, je vais partir en Inde 2 semaines, puis-je mettre Savoir Maigrir de côté pendant ces 2 semaines-là? Bien, je pense que ce serait effectivement ce qu'il y aura de plus facile à faire. Après, en Inde, évidemment, il y a beaucoup de riz, certes. Épicé, mais beaucoup de riz. Donc attention à la quantité de féculents. Essayez d'avoir ce réflexe donc de vous autoriser évidemment les plats locaux. Hein, il va bien falloir profiter
de ce voyage, de cette belle expérience à l'autre bout du monde, tant d'un point de vue des expériences, j'ai envie de dire, de vie que des expériences culinaires. Donc, bien sûr, profitez-en. Essayez simplement de restreindre ou en tout cas de rester raisonnable sur votre quantité de riz, mais essayez de vous servir plus largement de légumes. Alors, on a rarement de la viande en main, on a beaucoup de légumes et de riz, on a rarement aussi des desserts en tant que tels, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous aurez pas mal de fruits en revanche, donc là de la même manière, restez sur votre portion de fruits classique, j'ai envie de dire. Attention évidemment à l'eau. À l'eau locale, à l'eau courante locale. Buvez bien évidemment de l'eau en bouteille et veillez à ce que les bouteilles soient bien bouchées ou bien scellées avant de les consommer. Voilà. Mais voilà, l'idée, New New, c'est de bien faire attention à la quantité de féculents si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises à votre retour. Féculents, donc je parlais de riz, mais il y a aussi beaucoup de lentilles et d'associations, d'ailleurs riz plus lentilles, qui forment effectivement un combo parfait pour les protéines végétales, pour bien satisfaire vos besoins en protéines. Donc ça, c'est absolument parfait. Vous pouvez très bien opter pour cette formule végétarienne, d'ailleurs, puisque vous allez avoir très peu de viande, peut-être du poisson, ça c'est tout à fait envisageable, mais peut-être que vous allez avoir beaucoup ce combo riz plus lentilles. Donc à la place, vous pourrez très bien prendre 150 g de féculents et 100 g de lentilles, par exemple. Donc 150 g de riz et 100 g de lentilles, ce qui nous fait 250 g au total. Ça fait quand même une belle assiette, une demi-assiette pour vous situer un petit peu, une demi-assiette de ces féculents-là. Et bien sûr, ça reviendra à la place et de votre portion de féculents et de votre viande. Voilà, donc ça me paraît très bien. Faites la part belle aux légumes et puis après, finissez toujours par un petit fruit pour l'apport en vitamines, en antioxydants, en fibres et en minéraux. Voilà, voilà. Et attention aux épices, puisque l'Inde fait partie de ces pays les plus épicés en termes de cuisine. Donc vraiment attention aux épices. Demandez nos spicy si jamais vous n'êtes pas une grande adepte du piquant, du goût du piquant. Alors Christelle, bonjour. Comment assaisonner les crudités lorsque j'ai déjà utilisé la cuillère d'huile pour un autre plat? Eh bien, pourquoi pas simplement mettre du jus de citron, par exemple, ou bien du vinaigre, bien évidemment. Après, utilisez toutes les épices, les aromates, les herbes que vous aimez, que vous avez dans votre cuisine. C'est peut-être aussi le moment, je vois que vous êtes en semaine une, de redécouvrir un petit peu votre tiroir à épices et faire la part belle à tous ces aromates. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser du yaourt pour faire des belles sauces de yaourt. Alors, mélanger un demi-yaourt avec un petit peu de moutarde, un petit peu de citron, de la ciboulette ou du persil, par exemple, pourquoi pas du curry. Ça peut faire une sauce très agréable dont on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de consommer, mais qui est tout autant agréable, en tout cas pour un début de repas, ça fait une petite note fraîche et c'est plutôt sympathique. Alors, sauf que là, donc, qui était en Alsace et en Franche-Comté, vous me faites rire. Nabuc, merci beaucoup Claire pour tous vos conseils qui me sont très précieux. Eh bien, je vous en prie, Nabuc. Merci à vous pour vos questions toujours pertinentes. Je mange de la salade aux deux repas, cela compte comme légumes, soleil. Alors oui, ça compte comme légumes, bien sûr, la salade verte c'est un légume, mais ceci dit, la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que les légumes sont tous à consommer à volonté. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la quantité de salade que vous consommez au cours d'un repas, ni même au cours de la journée. Oui, alors Vermignon, je mets juste votre petit retour, en effet. Nous est précieux au sujet du pôle bien-être. Alors, comment lutter contre l'envie de sucre? Eh bien, il faut bien effectivement déterminer si vous avez envie de sucre ou besoin de sucre. Et en effet, bien souvent, Maj, vous avez raison, il s'agit d'une envie de sucre. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est bien évidemment d'éviter de sucrer et vos laitages et vos compotes, mais optez pour de l'édulcorant si c'est nécessaire pour vous. Et ensuite, peut-être, Maj, de vous orienter sur une collation. Ça suffit bien souvent à réduire vos envies de sucre, de vos envies de grignotage. Donc, supprimez simplement un laitage ou un fruit d'un petit déjeuner, par exemple, et vous le consommerez dans ce cas à la collation. L'idée, c'est de faire vraiment un moment de pause, de bien vous octroyer ce moment
de parenthèse, j'ai envie de dire, avec un fruit et ou un laitage, une bonne tisane, un bon thé, un bon café que vous aimez, que vous disposez sur un beau plateau, ou en tout cas que vous prenez le temps de bien apprécier. Ça, c'est vraiment important. Ne prenez pas votre fruit à la va-vite devant votre ordinateur ou en checkant vos mails ou encore en vous rendant sur vos applications, sur votre téléphone. Vraiment, accordez-vous ce moment de calme, de repos pour vous recentrer aussi. Et surtout, prenez le temps de bien apprécier ce que vous allez consommer. Voilà, et bien souvent, ça suffit à faire passer ces envies de grignotage, ces envies de sucre. Alors, excusez-moi, je vais prendre juste une petite seconde pour noter vos petits retours qui nous sont très importants. Donc, du pôle bien-être. Alors, question de Zadwids. Hop, je finis de noter ça. Voici. Alors, à Noël, si je mange un peu de foie gras, de la viande et des pommes de terre, salade, fromage et bûche, que dois-je faire pour me rattraper? Alors là, vous allez faire un beau rattrapage des écarts. Ça, c'est vraiment important. Le foie gras, c'est éventuellement possible, bien sûr, tout en plus en repas de fête, hein, ça paraît même incontournable. Évitez simplement de vous resservir, bien sûr, mais vous pouvez très bien prendre de manière occasionnelle une tranche de foie gras, c'est l'équivalent de 40 grammes. Hein, pensez aux tranches de foie gras qu'on pourrait vous servir au restaurant. C'est la portion classique. Et normalement, ça va remplacer une viande, un poisson et 10 grammes de matière grasse. Donc, dans ce cas, supprimez simplement le beurre le matin et attention au pain que vous allez consommer à côté. Évitez évidemment le pain brioché qui est très riche en matière grasse. Le pain d'épices et aussi qui va être riche en sucre, à moins que vous prépariez un bon pain d'épices maison. Voilà. Et après, donc, vous allez faire un repas de rattrapage, le repas qui suit avec essentiellement du poisson maigre ou de la viande maigre, des légumes et un laitage 0%. Allez, je vais finir sur ces quelques petites questions qu'il reste puisque la fin de la consultation approche. Valérie Sanchez, est-ce important si on ajoute une ou deux pommes dans la journée en plus des fruits recommandés? Et oui, c'est important puisque il faut bien respecter cette quantité de fruits dans la journée puisque les fruits sont évidemment riches en sucre et donc apportent des calories. Donc, si vous prenez deux pommes en plus, vous apportez 100 calories en plus dans votre journée. Donc, vous ne retrouvez non plus à 1200 mais à 1300 calories. Ou non plus à 1400, mais à 1500 calories. Donc ça, c'est vraiment important. Les fruits, oui, puisqu'ils apportent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres. C'est une très bonne chose à en consommer. Qui plus est, des fruits de bonne qualité et des fruits de saison, ça, c'est vraiment important aussi. Mais restez bien sur le bon nombre de fruits dans la journée, à savoir 3 fruits si vous êtes à 1400 calories ou plus, et seulement 2 fruits par jour si vous êtes à 1200 calories. Voilà. Voilà, alors, Odette qui nous dit merci, qui dit remercie Duc, donc au sujet du pôle bien-être, en effet, donc c'est une équipe de conseillers en diététique qui vous appelle de manière régulière pour vous conseiller, faire un petit peu le point sur votre programme, vous donner quelques clés pour débloquer certaines situations, en effet. Alors, ok, je note aussi votre retour, Vermillon, intéressant. Okay. Alors, sauf que là, merci Claire, souci, je ne sais pas si malade, mais je n'arrive pas à manger, je n'aurais envie que de pain, même les fruits que j'adore, les laitages ne passent pas. Alors, je finis sur cette dernière question, puisque la faim approche. Donc, si vous n'avez pas faim, effectivement, concentrez-vous uniquement sur des choses que vous aimez, bien évidemment, ne vous forcez pas, et restez sur des choses qui sont faciles à consommer, telles que des soupes, des potages, des laitages 0%, des compotes, par exemple. Bien sûr, évitez tout ce qui va être viande, poisson, les œufs, mais dans ce cas, évidemment, il vous faut bien sûr votre apport en protéines, donc n'hésitez pas à mixer votre viande, votre poisson ou vos œufs directement dans la soupe de légumes que vous pourrez faire, ajouter une fois par jour des petits féculents comme des vermicelles, par exemple, ça peut être très agréable, ou bien une petite pomme de terre, c'est tout à fait envisageable aussi pour remplacer vos féculents.
Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour des questions. Il nous en reste quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à poser votre question à votre diététicienne si jamais je n'ai pas eu le temps de répondre à vos petites questions. Donc, on est toujours là pour répondre à toutes vos questions. J'ai envie de dire presque 7 jours sur 7, mais en tout cas 5 jours sur 7 pour répondre donc à toutes vos petites questions. N'hésitez pas à nous solliciter donc via la messagerie diététique. On est toujours ravis de vous conseiller, de vous soutenir et de vous accompagner tout au long du programme, que ce soit Lucie, Delphine, Isabelle. Et bientôt, vous aurez donc Nathalie, Astrid et j'ai oublié le prénom, excusez-moi, d'une autre diététicienne qui va arriver, Aurélie, pardon. Donc, qui vont remplacer Isabelle durant son congé maternité. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous avez une nouvelle diététicienne qui vous répond. C'est une diététicienne qui est évidemment bien formée à la méthode Savoir Maigrir et qui sera là pour vous accompagner le temps de votre programme. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation dans votre programme Savoir Maigrir et je vous retrouve donc jeudi prochain pour notre prochaine consultation de groupe. À bientôt!